courage. Je suis là, Jésus. Je te suivrai jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté Jésus. Ils veulent le mettre à mort. Tenez-le bien. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Il n'a pourtant pas l'air dangereux. Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est un anarchiste. Un charlatan. Mais il n'a rien fait. Oui, il est innocent. L'écoutez pas, celui-là. Il fait partie de la bande. Allez, embarquez-le. Attendez. Je ne le connais pas, moi, ce Jésus. Je ne comprends pas. Vous arrêtez Jésus parce qu'il veut apporter la paix? La paix, c'est du vent. Ce que je vois, moi, c'est un fauteur de troubles. Mais c'est ridicule. Je préfère voir un seul homme mourir plutôt que mettre en danger toute notre société. Pierre, toi qui étais avec Jésus, dis-leur qui il est vraiment. Puisque je vous dis que je ne le connais pas. Mais regardez-vous, vous êtes submergé par la colère et la jalousie. C'est pour ça que sa bonté et son innocence vous sont devenus insupportables. Garde, faites-le taire! Je ne suis pas le seul, Pierre aussi est témoin. Je suis témoin de rien du tout. Mon Dieu, qu'ai-je fait? J'ai cru que j'aurais assez de courage, mais j'ai pris peur. Je ne vaux pas mieux que les autres. Rassure-toi, Jésus sait notre fragilité. Il ne nous abandonnera pas. Tu crois? J'en suis sûr. Aie confiance en lui et n'oublie pas, tu es Pierre. C'est avec toi que Jésus va bâtir son église.